De la ville. L'on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-vous public, mais fort exact, tous les soirs au cours ou aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres. L'on ne peut se passer de ce même monde que l'on n'aime point et dont l'on se moque. L'on s'attend au passage réciproquement dans une promenade publique. L'on y passe en revue l'un devant l'autre, carrosses, chevaux, livrées, armoiries, rien n'échappe aux yeux. Tout est curieusement ou malignement observé. Et selon le plus ou le moins de l'équipage, où l'on respecte les personnes, où on les dédaigne. 2. Tout le monde connaît cette longue levée qui borne et qui resserre le lit de la Seine, du côté où elle entre à Paris avec la Marne, qu'elle vient de recevoir. Les hommes s'y baignent aux pieds pendant les chaleurs de la canicule. On les voit de fort près se jeter dans l'eau. On les en voit sortir, c'est un amusement. Quand cette saison n'est pas venue, les femmes de la ville ne s'y promènent pas encore. Et quand elle est passée, elles ne s'y promènent plus. 3. Dans ces lieux d'un concours général, où les femmes se rassemblent pour montrer une belle étoffe et pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec une compagne par la nécessité de la conversation. On se joint ensemble pour se rassurer sur le théâtre, s'apprivoiser avec le public et se raffermir contre la critique. C'est là précisément qu'on se parle sans se rien dire, ou plutôt qu'on parle pour les passants, pour ceux-mêmes en faveur de qui l'on hausse sa voix. L'on gesticule et l'on badine, l'on penche négligemment la tête, l'on passe et l'on repasse. 4. La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme autant de petites républiques qui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon et leurs mots pour rire. Tant que cet assemblage est dans sa force et que l'entêtement subsiste, l'on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens, et l'on est incapable de goûter ce qui vient d'ailleurs. Cela va jusqu'au mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leur mystère. L'homme du monde d'un meilleur esprit, que le hasard a porté au milieu d'eux, leur est étranger. Il se trouve là comme dans un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la coutume. Il voit un peuple qui cause, bourdonne, parle à l'oreille, éclate de rire, et qui retombe ensuite dans un morne silence. Il y perd son maintien, ne trouve pas où placer un seul mot, et n'a pas même de quoi écouter. Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui domine, et qui est comme le héros de la société. Celui-ci s'est chargé de la joie des autres et fait toujours rire avant que d'avoir parlé. Si quelquefois une femme survient qui n'est point de leur plaisir, la bande joyeuse ne peut comprendre qu'elle ne sache point rire des choses qu'elle n'entend point et paraissent insensibles à des fadaises qu'ils n'entendent eux-mêmes que parce qu'ils les ont faites. Ils ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni la manière dont elle est sortie. 2 années cependant ne passent point sur une même coterie. Il y a toujours, dès la première année, des semences de division pour rompre dans celle qui doit suivre. L'intérêt de la beauté, les incidents du jeu, l'extravagance des repas, qui, modeste au commencement, dégénère bientôt en pyramide de viande et en banquets somptueux, dérange la République et lui porte enfin le coup mortel. Il n'est en fort peu de temps non plus parlé de cette nation que des mouches de l'année passée. 5. Il y a dans la ville la grande et la petite robe, et la première se venge sur l'autre des dédains de la cour et des petites humiliations qu'elle y essuie. De savoir quelles sont leurs limites, où la grande finit et où la petite commence, ce n'est pas une chose facile. Il se trouve même un corps considérable qui refuse d'être du second ordre et à qui l'on conteste le premier. Il ne se rend pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et par la dépense, à s'égaler à la magistrature ou ne lui cède qu'avec peine. On l'entend dire que la noblesse de son emploi, l'indépendance de sa profession, le talent de la parole et le mérite personnel balance au moins les sacs de 1 000 francs que le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son office. 6. Vous moquez-vous de rêver en carrosse ou peut-être de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez,
ne saluez qu'à peine ces gens qui passent dans leur équipage. Ils vous en croiront plus occupé. Ils diront « Cet homme est laborieux, infatigable. Il lit, il travaille jusque dans les rues ou sur la route. » Apprenez du moindre avocat qu'il faut paraître accablé d'affaires. Froncez le sourcil et rêvez à rien, très profondément. Savoir à propos, perdre le boire et le manger. Ne faire qu'apparoir dans sa maison. S'évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre de son cabinet. Se cacher en public. Éviter le théâtre. Le laisser à ceux qui ne courent aucun risque de s'y montrer. Qui en ont à peine le loisir. Au Gaumont, au Duhamel. 7. Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu'on nomme à la cour de petits maîtres. Ils les imitent, ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la robe et se croient dispensés par leur âge et par leur fortune d'être sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu'elle a de pire. Ils s'approprient la vanité, la mollesse, l'intempérance, le libertinage, comme si tous ces vices leur étaient dus. Et, affectant ainsi un caractère éloigné de ceux qu'ils ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits, des copies fidèles de très méchants originaux. 8. Un homme de robe à la ville et le même à la cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille et son visage qu'il y avait laissé. Il n'est plus ni si embarrassé, ni si honnête. 9. Les crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusqu'à 6 chevaux pour allonger un équipage qui, avec un essaim de gens de livrée, où ils ont fourni chacun leur part, les fait triompher au cours et à Vincennes et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine et avec Trazon qui veut se marier et qui a consigné. 10. J'entends dire des sagnons, même nom, mêmes arbres, mêmes armes, la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la seconde branche. Ceux-là portent les armes pleines, ceux-ci brisent d'un lambel et les autres d'une bordure dentelée. Ils ont avec les Bourbons sur une même couleur un même métal. Ils portent comme eux deux et une. Ce ne sont pas des fleurs de lys, mais ils s'en consolent. Peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi honorables. Et ils les ont communes avec de grands seigneurs qui en sont contents. On les voit sur les litres et sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier de leur haute justice, où ils viennent de faire pendre un homme qui méritait le bannissement. Elles s'offrent aux yeux de toutes parts. Elles sont sur les meubles et les serrures. Elles sont semées sur les carrosses. Leurs livrées ne déshonorent point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux sagnons, votre folie est prématurée. Attendez du moins que le siècle s'achève sur votre race. Ceux qui ont vu votre grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux et ne sauraient plus vivre longtemps. Qui pourra dire comme eux ? Là, ils l'étalaient et vendaient très cher. Les sagnons et les crispins veulent encore davantage que l'on dise d'eux qu'ils font une grande dépense, qu'ils n'aiment à la faire. Ils font un récit long et ennuyeux d'une fête ou d'un repas qu'ils ont donné. Ils disent l'argent qu'ils ont perdu au jeu et ils plaignent fort haut celui qu'ils n'ont pas songé à perdre. Ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes. Ils ont réciproquement 100 choses plaisantes à se conter. Ils ont fait depuis peu des découvertes. Ils se passent les uns aux autres qu'ils sont gens à belles aventures. L'un d'eux, qui s'est couché tard à la campagne et qui voudrait dormir, se lève matin, chose déguêtre, endosse un habit de toile, passe un cordon ou pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil. Le voilà chasseur, s'il tirait bien. Il revient de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué. Il retourne à la chasse le lendemain et il passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix. Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de dire « ma meute ». Il sait un rendez-vous de chasse, il s'y trouve, il est au laisser court. Il entre dans le fort, se mêle avec les piqueurs, il a un corps. Il ne dit pas, comme Ménalippe, « ai-je du plaisir ?» Il croit en avoir. Il oublie lois et procédures, c'est un Hippolyte. Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est en ses mains,
ne reconnaîtrait pas aujourd'hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à sa chambre, où l'on va juger une cause grave et capitale? Il se fait entourer de ses confrères. Il leur raconte comme il n'a point perdu le cerf de meute, comme il s'est étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après ceux des chasseurs qui prenaient le change, qu'il a vu donner les 6 chiens. L'heure presse, il achève de leur parler, des abois et de la curée, et il court s'asseoir avec les autres, pour juger. Il l'est à bien d'autres, et je vais, s'il se peut, aider votre mémoire. Est-ce au boulevard sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à la Comédie? Est-ce au sermon, au bal, à Rambouillet? Où pourriez-vous ne l'avoir point vu? Où n'est-il point? S'il y a dans la place une fameuse exécution ou un feu de joie, il paraît à une fenêtre de l'hôtel de ville. Si l'on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud. S'il se fait un carrousel, le voilà entré et placé sur l'amphithéâtre. Si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils reviennent de leur audience. Sa présence est aussi essentielle au serment des ligues suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes. C'est son visage que l'on voit aux almanachs représenter le peuple ou l'assistance. Il y a une chasse publique, une Saint-Hubert, le voilà à cheval. On parle d'un camp et d'une revue, il est à Houille, il est à Achères. Il aime les troupes, la milice, la guerre. Il la voit de près et jusqu'au fort de Bernardy. Chanlet sait les marches, Jacquier les vivres, du Metz l'artillerie. Celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois en voyant. Il est spectateur de profession. Il ne fait rien de ce qu'un homme doit faire. Il ne sait rien de ce qu'il doit savoir. Mais il a vu, dit-il, tout ce qu'on peut voir et il n'aura point regret de mourir. Quelle perte alors pour toute la ville? Qui dira après lui? Le cours est fermé, on ne s'y promène point. Le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on n'y versera plus. Qui annoncera un concert, un beau salut, un prestige de la foire? Qui vous avertira que Beaumavielle mourut hier, que Rochois est enrhumé et ne chantera de 8 jours? Qui connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées? Qui dira Scapin porte des fleurs de lys et qui en sera plus édifié? Qui prononcera avec plus de vanité et d'emphase le nom d'une simple bourgeoise? Qui sera mieux fournie de vaudeville? Qui prêtera aux femmes les annales galantes et le journal amoureux? Qui saura, comme lui, chanter à table tout un dialogue de l'opéra et les fureurs de Roland dans une ruelle? Enfin, puisqu'il y a à la ville, comme ailleurs, de fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur convenir? 14. Théramène était riche et avait du mérite. Il a hérité, il est donc très riche et d'un très grand mérite. Voilà toutes les femmes en campagne pour l'avoir pour galant et toutes les filles pour épouseur. Il va de maison en maison faire espérer aux mères qu'il épousera. Est-il assis? Elles se retirent pour laisser à leur fille toute la liberté d'être aimable et à Théramène de faire ses déclarations. Il tient ici contre le mortier. Là, il efface le cavalier ou le gentilhomme. Un jeune homme vif, fleuri, enjoué, spirituel, n'est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu. On se l'arrache des mains. On a à peine le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans une même visite. Combien de galants va-t-il mettre en déroute? Quel bon parti ne fera-t-il point manquer? Pourra-t-il suffire à tant d'héritières qui le recherchent? Ce n'est pas seulement la terreur des maris, c'est l'épouvantail de tous ceux qui ont envie de l'être et qui attendent d'un mariage à remplir le vide de leur consignation. On devrait proscrire de tels personnages, si heureux, si pécunieux, d'une ville bien polissée, ou condamner le sexe, sous peine de folie ou d'indignité, à ne les traiter pas mieux que s'ils n'avaient que du mérite. 15. Paris, pour l'ordinaire, le singe de la cour, ne sait pas toujours la contrefaire. Il ne limite en aucune manière, dans ses dehors agréables et caressants, que quelques courtisans, et surtout les femmes, y ont naturellement pour un homme de mérite et qui n'a même que du mérite. Elles ne s'informent ni de ses contrats, ni de ses ancêtres. Elles le trouvent à la cour,
Cela leur suffit. Elles le souffrent, elles l'estiment. Elles ne demandent pas s'il est venu en chaise ou à pied, s'il a une charge, une terre ou un équipage. Comme elles regorgent de trains, de splendeur et de dignité, elles se délassent volontiers avec la philosophie ou la vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d'un carrosse qui s'arrête à sa porte? Elle pétille de goût et de complaisance pour quiconque est dedans, sans le connaître. Mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l'aient éblouie, quelle impatience n'a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cavalier ou le magistrat? Quelle charmante réception ne lui fera-t-elle point? Ôtera-t-elle les yeux de dessus lui? Il ne perd rien auprès d'elle. On lui tient compte des doubles soupentes et des ressorts qui le font rouler plus mollement. Elle l'en estime davantage. Elle l'en aime mieux. 16. Cette fatuité de quelques femmes de la ville qui cause en elles une mauvaise imitation de celle de la cour est quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple et que la rusticité des villageoises. Elle assure toutes deux l'affectation de plus. 17. La subtile invention de faire de magnifiques présents de noces qui ne coûtent rien et qui doivent être rendus en espèces. 18. L'utile et la louable pratique de perdre en frais de noces le tiers de la dot qu'une femme apporte, de commencer par s'appauvrir de concert par l'amas et l'entassement de choses superflues, et de prendre déjà sur son fond de quoi payer Gaultier, les meubles et la toilette. 19. Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une sorte d'effronterie aux bienséances et à la pudeur, expose une femme d'une seule nuit, sur un lit comme sur un théâtre, pour y faire pendant quelques jours un ridicule personnage, et la livre en cet état à la curiosité des gens de l'un et de l'autre sexe, qui, connus ou inconnus, accourent de toute une ville à ce spectacle pendant qu'il dure. Que manque-t-il à une telle coutume pour être entièrement bizarre et incompréhensible que d'être lu dans quelques relations de la main grêlie. 20. Pénible coutume, asservissement incommode, se chercher incessamment les unes les autres avec l'impatience de ne se point rencontrer, ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour s'apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite et dont il importe peu que l'on soit instruite. N'entrer dans une chambre précisément que pour en sortir. Ne sortir de chez soi l'après-dîner que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d'avoir vu en 5 petites heures 3 Suisses, une femme que l'on connaît à peine et une autre que l'on aime guère. Qui considérerait bien le prix du temps et combien sa perte est irrémédiable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères. 21. On s'élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et champêtres. On distingue à peine la plante qui porte le champ d'avec celle qui produit le lin et le blé froment d'avec les seigles et l'un ou l'autre d'avec le métail. On se contente de se nourrir et de s'habiller. Ne parlez à un grand nombre de bourgeois, ni de guérets, ni de baliveaux, ni de provinces, ni de regains. Si vous voulez être entendu, ces termes pour eux ne sont pas français. Parlez aux uns d'onage, de tarifs ou de sol pour livres, et aux autres de voies d'appel, de requêtes civiles, d'appointements, d'évocations. Ils connaissent le monde, et encore, parce qu'il a de moins beau et de moins spécieux. Ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est volontaire et fondée sur l'estime qu'ils ont pour leur profession et pour leur talent. Il n'y a civil praticien qui, au fond de son étude sombre et enfumée, et l'esprit occupé d'une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos et qui fait de riches moissons. Et s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et de leur économie, il s'étonne qu'on ait pu vivre en de tels temps, où il n'y avait encore ni office, ni commission, ni président, ni procureur. Il ne comprend pas qu'on n'ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de la buvette. 22. Les empereurs n'ont jamais triomphé à Rome si mollement,
si commodément, ni si sûrement même contre le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville. Quelle distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne savaient point encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles. On ne les voyait point s'éclairer avec des bougies et se chauffer à un petit feu. La cire était pour l'hôtel et pour le Louvre. Ils ne sortaient point d'un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse. Ils se persuadaient que l'homme avait des jambes pour marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient propres quand il faisait sec, et dans un temps humide, ils gâtaient leurs chaussures, aussi peu embarrassés de franchir les rues et les carrefours que le chasseur de traverser un guéret ou le soldat de se mouiller dans une tranchée. On n'avait pas encore imaginé d'atteler deux hommes à une litière. Il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre ou aux enquêtes, d'aussi bonne grâce qu'Auguste autrefois allait de son pied au Capitole. L'étain dans ce temps brillait sur les tables et sur les buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers. L'argent et l'or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient servir par des femmes, on mettait celles-ci jusqu'à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n'étaient pas inconnus à nos pères. Ils savaient à qui l'on confiait les enfants des rois et des plus grands princes, mais ils partageaient le service de leurs domestiques avec leurs enfants, contents de veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient en toutes choses avec eux-mêmes. Leurs dépenses étaient proportionnées à leurs recettes, leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leurs tables, leurs maisons de la ville et de la campagne. Tout était mesuré sur leurs rentes et sur leurs conditions. Il y avait entre eux des distinctions extérieures qui empêchaient qu'on ne prît la femme du praticien pour celle du magistrat et le roturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu'à le maintenir, ils le laissaient entier à leurs héritiers et passaient ainsi d'une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disaient point « le siècle est dur, la misère est grande, l'argent est rare ». Ils en avaient moins que nous et en avaient assez, plus riches par leur économie et par leur modestie que de leurs revenus et de leur domaine. Enfin, l'on était alors pénétré de cette maxime. Que ce qui est dans les grands, splendeur, somptuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptie dans le particulier.